séance Tabata CrossFit. Alors, je vous explique, on va avoir trois blocs. Premier bloc, un bloc Tabata avec deux exercices. Ces deux exercices, on va les alterner entre 20 secondes et 10 secondes, 8 fois. Ça, ce sera le premier bloc. Ensuite, on aura un bloc de CrossFit, je vous l'expliquerai. Et un dernier bloc de Tabata de la même manière, en 20-10. Voilà, une séance qui va durer en gros un quart d'heure, mais très intense, aussi bien en renforcement qu'au niveau cardio. Voilà, alors, on y va, on y va ensemble, je vais mettre le chrono en route. Ah pardon, j'ai oublié une chose essentielle, il vous faut une chaise. Une chaise ou un canapé, enfin quelque chose pour vous asseoir et vous relever. Franchement, je pense que c'est mieux une chaise, c'est plus ferme, ce sera plus facile. Voilà, et ensuite, ne soyez pas très loin d'un mur non plus, parce qu'on a l'exercice où on va devoir avoir le dos plaqué contre le mur. Voilà, maintenant j'ai rien oublié, vous savez tout. Alors on va pouvoir commencer. Allez, on met en route le chrono. C'est parti, on est vers la chaise. Là, je mets en route, on est sur une jambe, je fléchis, je descends, là, et hop, je me relève. J'ai jamais posé mon pied. Toujours la même jambe pendant les 20 secondes. Là, renforcement ici du quadriceps. Doucement, on se replace. Doucement, voilà, et je reviens. Ok. Ici, l'exercice, je viens contre le mur. Et je maintiens. Ok. Jambe suivante. Là, même chose. Allez, et ça, on va alterner 8 fois. Là, voilà, très bien. Allez, on continue. Allez, la chaise. Allez, on est passé, on tient les 10 secondes. Gardez vos pieds parallèles. Allez, hop. Allez, doucement, essayez de bien amortir ici, j'amortis, assise, doucement, je remonte, je me replace bien droit, là, là, allez. Allez, l'autre jambe, encore. Maintenez les 10 secondes.
une fois sur cette jambe. Huit.
4, 3, 2, 1. Ok, 15 pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez. On continue toujours, c'est dégressif pour les squats et on augmente les pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5. On a fait nos 15 squats, on est parti pour 20 pompes. Si c'est trop dur d'enchaîner les 20, faites 10, vous relâchez un peu et vous en faites 10. Allez, on va pas l'essayer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on en reprend 10 encore. Allez, 1, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas vous, mais ça commence à tirer les épaules. Oh. Allez, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 25 pompes. Et contractez bien vos épaules. On va y aller tranquille. Allez, on va essayer de les faire, on y va tranquille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, relâchez un petit peu, allez contracter les épaules. Et on reprend. Nadine, tu as le droit de te mettre comme ça si tu veux, si tu as mal au poignet. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Là, et on relâche encore. Allez, on a encore 10 à faire. Et contractez bien. Ça commence à tétaniser un petit peu, c'est normal. C'est normal. Allez, là, dernière série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, voyons. Allez, 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a les 30 pompes pour terminer. Comme tout à l'heure. Prenez un petit peu de temps, si besoin, entre chaque fois 10, chaque série de 10, ou si vous êtes très fort, n'hésitez pas à enchaîner vos 30 pompes de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, moi je relâche un petit peu, on décontracte. Allez, on a encore 20 à faire. Allez.
Allez, vous êtes prêts? On y va? Allez, vous faites les 10. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, très très bien. Très très bien. Bah, écoutez, voilà, notre deuxième bloc est terminé. Là, et on va faire un troisième Tabata, le même que tout à l'heure, avec la chaise, travail des quadriceps. Allez, prenez votre chaise et on va continuer. Allez, notre troisième partie, Tabata comme tout à l'heure, reprenez votre chaise. Là, c'est parti, 20 secondes de chaise, 10 secondes sur le mur. Attention, top, on commence, on choisit un côté, on changera à chaque fois, on alterne. Allez, c'est parti. Là, travaille toujours des quadriceps. On va doucement, on maintient la descente, on serre son ventre. Doucement. Voilà, allez. Et on se met contre le mur pour la chaise. Allez, maintenez. Et on change les jambes. Même chose. On descend doucement, on rentre son ventre, serrez les abdos, restez droit. Là. Un petit effort, on a bientôt fini notre séance. Grosse séance de renforcement aujourd'hui. Allez. Gardez bien vos pieds parallèles, talons bien plaqués au sol. Allez, on change de jambe. Allez, on va séance terminée. Allez, prends un petit effort. Allez, dernière fois, changez de jambe.
Tabata est terminé. Faites un peu d'étirement, vous risquez d'avoir un peu les cuisses et les épaules un peu lourdes demain, ça risque de faire mal. N'hésitez pas à vous étirer. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Merci Jim, encore une fois. Allez, bonne journée.